qui a fait un très beau discours. Je me suis endormie dans son direct. C'était très beau. Mais il y a un petit mais que je voulais un peu recadrer sur notre fille Nicole Kecha. Pour notre fille. Ma quota d'amour. Tu sais. Tu as sa main, tu l'as touchée où? Il y a des personnes qui ont pris des nouvelles révolutions, même dans les couples, que bon, cette année-ci, la nouvelle année-ci, si mon gars n'est pas comme ça avec moi, je ne fais plus comme ça. Je change un peu de comportement pour le réveiller. S'il ne veut pas changer le comportement, je reste toujours à ma position aussi. Nicole Kecha, cette jeune belle fille que nous avons rencontrée à Paris, qui nous a fait honneur, qui est venue nous soutenir et qui nous a toujours soutenus, de son plein gré, je l'ai appelée aujourd'hui, j'ai parlé un peu avec elle. Nicole me répète bien que Maman Pépé, vous ne m'avez jamais envoyé quelque part. Je suis venue de moi-même vous soutenir. Et je vous soutiens de tout cœur. Mais chacun a son combat sur la toile. Je suis très d'accord. C'est pour ça que je veux que ma copine, tu comprends un peu cette angoisse, cette petite angoisse. Maman, ma copine de ça. Pépé, c'est ta copine. C'est ta fianceur. Mais, la petite Nicole, ce n'est pas sa yam sœur. Avant de tenir certains propos, regarde d'abord la genèse. Quelle genèse? Tu étais là. Pourquoi Nicole se réveille? Pourquoi? Signe sur sa nourriture. Parce que c'est ça. Nicole mange jusque la nourriture là. Moi, c'est ma nourriture. Je mange ça quand je veux. Ah bon, hein? Toi aussi, tu es ma nourriture. Je te mange quand je veux. Toi-même, tu as ma part de nourriture. Et te mange aussi quand je veux. Sa famille, sa grand-mère qui l'a élevée a été publiée par cette écarteuse internationale. Ah bon, publiée comment? On a rendu sa grand-mère ça, c'est tout. Sa petite fille a été publiée. Sa fille qui est ta petite sœur a été publiée. Nicole, c'est le Congo, ça, tu es tombé sur la bonne page. Le Congo, ça, c'est ma passion. Elle mange pie dans toutes les sauces et je suis avec elle. Maman, depuis qu'elle mange pie, la pie, c'est la viande d'éléphant. C'est comment? Depuis qu'on la mange là, elle ne finit jamais, ma. Mais, ça fait combien d'années que Mbong, qu'elle a mangé pie? Elle avait combien d'années Mbong, qu'elle a mangé pie? Elle n'a pas fatigué de manger pire. Maman, même quand tu manges la même chose tous les jours, tu n'es pas fatigué, ma. J'assume ça. Pour nous, quoi? Mais je n'ai jamais pris mon téléphone comme ça, j'appelle Nicole. Nicole, va laver telle personne, va faire à telle personne. Parce que moi-même, d'abord, Nicole ne clash même pas ça. Tu parles là-bas, tu mets les commentaires, tu envoies les cœurs. Non, les commentaires, après, non, tu ne sais pas lire ni écrire. Mais tu mets les cœurs. Je t'atomise, je suis dur. T'as dit la façon que tu es dur avec moi, je suis aussi dur comme ça avec toi. Oui. Quoi, donc t'atomise. Tu es dur avec moi. Tu laves mes parties intimes, je lave tes parties intimes 40 fois. Oui. Bonsoir Claire et Kwe. Hein? Tu as vendu le terrain. Tu as vendu le terrain. Tu nous es à Oude. Quand nous on vend le terrain, après on achète le vin rouge. Moi j'invite les autres, ça s'est coupé. C'est comme si on a signalé le terrain. Non, non, tu avais à faire 6 heures. Hein? Ah! Mais quand tu veux des conseils, en appelant encore son ennemi par son nom, il ne l'appelait plus. Quand tu viens appeler. Tu viens l'appeler par son nom. C'est comme si tu fuis à la guerre. Ok. Même si tu fuis la guerre, c'est de ton droit. Quand tu l'appelles derrière que tu l'appelles. Comme si tu fuis dans la guerre. Même si tu fuis la guerre, c'est ton droit. Non, dis-moi, c'est moi derrière, c'est un lien pour bien ça. Ta yam. Mais c'est ta yam, non? Parce que la façon que tu as parlé, aujourd'hui, là, jusqu'à ce que tu l'appelles par son nom, d'abord, si tu tentes de monter dans mon live, tu vas l'appeler comme j'appelle. Elle ne monte pas dans ton live. Moi, pour ne monte plus jamais dans le live de confusion. Elle mange pipi quand elle veut. Et ça ne chauffe pas. Va moi, c'est moi qui ai envoyé. Attends, vous avez dit que c'est moi la haineuse. Nous sommes toutes
N'importe quoi. Marie Pipi, Pipi n'a rien pour prendre. Pipi vous gère même pas. Mais est-ce qu'on... Attends, donc elle est en train de lui dire là que elle est en train de lui imposer comment elle va se comporter si jamais elle vient dans ce là. Exactement. Elle a dit les gens de pire là-bas. Elle a dit les gens de pire. Chacun est responsable. Ah, maman, donne-lui donc la bonne question. Elle a mis des orphelins avec le cœur noir. On peut dire ça comme ça. Mais il y a des conseils que tu peux donner à l'enfant. Tu donnes à l'enfant des réponses. Tu donnes devant les gens. L'enfant peut avoir honte. Et c'est là que tu entends son enfant, un peu de respect quand tu as ça. Il va fou le camp. Il a bien mal de 40 ans, il a un enfant. Je vais habiter, puis je n'ai pas aux gens. Et son visage dur, dur comme. Elle est responsable de ses actes. Et elle, bien sûr, elle ne sait pas le lever comme ça, elle a commencé à laver et piquer pour rien. Toi qui as envoyé les têtes de moi, je maudis ton ami, grand-mère, et toute ta femme. Marie doit être descendue. On dirait que Marie doit être descendue. Donc, ça, c'est aussi une parenthèse. Les grandes personnes respectent les enfants et les enfants vont respecter. Hé! Hey, hé! Hey, maman! Parce que, comme ma copine a parlé de la cybercriminalité, c'est. Maman! J'ai habité Kiki et m'a dit. M'a dit. Maman! Les grandes personnes respectent les enfants vont aussi vous respecter. Azambedou. Hey, Seigneur Jésus. Hey, 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 Gonzalo. Gonzalo a pris les airs, hein. Diamant bleu. Il dit que son nouveau nom, c'est Diamant bleu. Ils ont des plaintes. C'est vrai qu'ici, la France, comme la pierre du Seigneur, elle écrase lentement, mais sûrement. C'est qu'il est juste qu'un jour comme ça, tu trouves seulement, on t'a envoyé une convocation que tu es convoqué à tel endroit par rapport à. C'est sur place qu'on te fait savoir que. Tu veux prier les qui? Si ma TK se célèbre, tu dis là, il se baisse sur une proie. Et comme on s'est fait dire qu'allez-y, cachant, allez de l'avant, allez atomiser, doser. En bon français, on appelle ça excitation à la haine. Mm-hmm. C'est moi qui dois me sauver. Ah. Maintenant, comme je suis le leader, je viens, je dis. Ah! Maman! Gonzalo parle la français. D'ailleurs, ma suivi ça jusqu'à la fin. Hein. Elle dit qu'en bon français, on appelle ça que excitation à la haine. Hein, maman, donc tu connais ça? Ah oh! C'est moi qui ai commandé tout ça. Hein? C'est ça qui est condamné que ceux qui ont dosé. Hein, maman? Ah. C'est comme ils font. Par exemple, les postes que vous faites là, vous prenez le nom Maléba Bébé, tu sais mon nom. C'est mon nom, ce n'est pas diamant bleu, non. C'est mon nom, c'est mon acte de naissance. C'est condamnable par la loi. Moi, je dis comme Gonchal. Quand tu vois comment elle est intelligente, même quand elle fait le poste, c'est quoi, elle dit Gonchal. Et puis elle te frappe. Maman, ça le goût qu'elle prend pour Gonzalo jusqu'à. Ma, tu n'aimes pas. Tu n'es pas heureuse. Tu es peuplé. Qui, moi? Je suis heureuse pro max. Gonzalo! Gonja te frappe! Maman, j'adore frapper Gonja, ça le coup. Gonja dit que quoi? Hey! Gonja dit que quand elle envoie, elle dit qu'à sa tête, c'est que cacham. On appelle ça en bon français que incitation à la haine. Hey! Allez, chien! Ouais, Gonja! C'est ma... Je suis la Borosangi de Gonzal, bon moi. C'est comme Bangalas, hein. Ouvrez le restaurant. Quand vous allez ouvrir le restaurant, vous
leader, je vais la déposer. Mais tant qu'elle a seulement le contrat de 250 euros, il la laisse pas bien. C'est quand je veux. Tout le monde est sorti. Jusqu'à la voix du Congo qui s'est mise sur les réseaux sociaux. Ça s'est pas vraiment partout. Elle dit qu'elle a fait mieux. Sa voix est partout. Elle est devenue une star dans le gestion, dans le noir. La voix de mon beau-fils. La voix de mon fils est partout. Quand j'ai fait mieux. Parce que j'ai fait comme ça. J'ai fait mieux. Parce qu'on appelle ça le soupir. Vous êtes tombé, hein? Mais moi, une bangando comme ça, là. Si là, elle est mariée, elle est bangando. Elle parlait du mariage de Ndolo Moulema. Ça, c'est une parenthèse. Hein. C'est pas ça. C'est pour entrer. Ouais. J'étais déçu. Du fait que. Tout le temps, on envoie des nouvelles. Tout le temps, j'ai des nouvelles. Pour une fois, quand je vais aussi dire, vous paniquez au point où vous sortez déjà. Vous sortez à mes frères, vous allez me déposer. S'il vous plaît, allez me capturer tout de suite comme je parle de la science des langues. Ça m'entre dans le mur de ta camarade et de l'écrivain. La femme, la capture, la donne à mon nom, Maliba Piatouchi. C'est tout. Ngonja connaît la plainte. Maman la réciproclate veut la porter plainte. Eh, Rose, Didier, si elle a reçu les nouvelles, disait quoi, elle pouvait aussi renvoyer sa part de nouvelles, non? Non. Pourquoi venir faire réussir? Mais c'est ce qu'on s'est posé aussi la question. Oui, mais tu fais réussir. Tu réponds aussi sur Facebook, non? Elle, on doit toujours venir vers elle. Elle jamais vient bien les gens. Marie n'est pas là, Tim. Non, Marie n'est là. Non, je suis là, je coupe un peu pendant qu'on suit. Et on suit alors. Dans le noir. Mon fils, c'est elle, moi, tu t'es fait un. C'est la femme qui t'est nommée. La femme qui t'a dit les choses que j'ai parlé que je ne sais pas. Je ne parle pas comme ça du mari, je ne le connais pas. Voilà, donc il faut aller allumer le feu entre les deux, la femme tout domine. Yeah. On t'a fait sortir, venir parler dans les réseaux sociaux. Tu ne vois pas que c'est décevant? Hein? Que j'ai fait un petit soutien. Donc, s'il faut que ta femme sorte sur les réseaux, la queue d'une star. Elle sortait du noir, ça veut le fond de Maléba. Non, ça veut Maléba que tu vas sortir. Oui, elle va sortir. Qu'est-ce qu'on va dire sur la femme qu'on n'a pas dit à ce qu'on va dire ce que tu en as. On va répéter les mêmes choses là. Ça te fait mal, Pia. Est-ce que tu n'as pas parlé de ça? Est-ce que c'est faux? La misère est donnée à l'aise les machines. Elle a mangé. C'est faux? La rose qu'on a dans les la menti. Pampex, c'est Pampex. La rose, ma Pampex, ça avait sauté. Le disque-là est déjà rayé. Donc j'ai dit ce soir-là que vraiment, quand vous faites pourquoi? Même quand vous sortez du noir, il y a des façons de sortir du noir. Tu vois comment elle est venue pour arranger ça? Quand j'ai entendu, on m'a dit, quand j'ai coupé, c'est moi l'endroit là où c'est mon beau-fils qui parle, Et t'es dit que? Il a ton numéro, toi-même tu n'as pas aussi ton numéro. Quand tu as entendu les piques, pourquoi tu n'as pas appelé? Comme c'est ton beau-fils. C'est lui qui devait te appeler. Parce que j'en ai des problèmes. Et il y a des choses que quand tu sais que tu as parlé avec quelqu'un, quand tu te ramènes ça, tu sais que c'est vrai. Donc, du coup, il fallait que je vous fasse une chose. C'est quoi un peu les types, non? Elle m'a dit que ça marche. Elle m'a dit. Comment ils sont aussi? Ils sont les appartements de parler dans mes petits. Hey! Ça m'a fait le courage.
Elle tient sa copine qu'un courant. Ça, la fille se prend pour. Bref, ça c'était une parenthèse. Une sorcière. Ouvrez le restaurant à votre star, qu'elle laisse les gens tranquilles. Ouvrez le restaurant. Alors, tu as fini de mettre. En fait. Oui, j'ai fini. Pour moi, c'est. Pardon, s'il vous plaît. Parlons, prenons la parole à tour de rôle. Vous ne pouvez pas parler tous à la même, au même moment. Vas-y. Qui a commencé la grâce de Dieu, vas-y. Je disais ceci. Compresseur, de ce côté-là, elle n'a pas raison. Pourquoi? Parce que si elle dit qu'on lui envoie des nouvelles, qu'elle renvoie des nouvelles aussi par le même canal, je ne pense pas qu'on lui envoie des nouvelles sur Facebook. Bon, moi, je n'ai pas entendu. Peut-être que vous en savez plus. Maintenant, son lève, quand, où elle a brandi le téléphone, là, moi, j'étais là, mais je ne suis pas arrivée à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'elle a fait, moi, j'étais à part. Donc, la fille, d'après ce que la fille explique, elle aurait dit, ah, le téléphone là, et son frère dit oui, je connais le téléphone. Moi, j'étais là, j'ai depuis la scène. Voilà, le téléphone de, ou de le mari de la fille là. Maintenant, jusque là, ok, d'accord. Comment donc son frère a fait pour avoir tout ce qui était dans ce téléphone? Et c'est lui qui a pris dans le live, il dit ceci, il dit le nom de la fille. Ndolo, j'ai, quand vous donnez les téléphones aux gens, il faut vous rassurer de tout supprimer. Et, j'ai, l'intimité de ton mari. Si tu veux, je te montre le bout. Est-ce qu'on fait ça? Mais, et compresseur, et tu estimes que ce monsieur ne devait pas sortir? Hein? Et tu estimes que ta copine ou ton ex-copine n'avait pas à parler, puisque quand tu dis que, je voyais les commentaires de gens qui disent que, mais, elle n'a pas dit ton nom, elle parle des gens qui la menacent, mais vous rigolez ou quoi? La Rose, si je prends mon bic, je te donne. Bon, le bic même, c'est trop dit. Ok, je prends mon bic, je te donne. Et je te vois dans un live, tu es en train de dire, tu connais le bic sinon? Ah oui, c'est le bic que le mari ou que tel t'a donné. Je vais reconnaître ma chose parce que c'est moi qui t'avais donné. Tu n'as pas besoin de dire mon nom. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Voilà. Tu n'as pas besoin de dire mon nom puisque je sais que c'est moi qui t'avais donné. Et après, quelqu'un sort et dit que dans le pic là, tu avais oublié d'enlever parce qu'en fait, tu avais oublié d'enlever l'encre. Il fallait enlever l'encre. Quand tu m'avais donné le bic, tu as oublié d'enlever l'encre. Et ce n'est pas toi à qui j'avais donné le bic qui parle. C'est ton frère qui est en train de parler. Vous n'habitez pas la même maison. Tu es à Paris ou ton frère est à Paris ou alors non, ton frère est à, je ne sais pas où il est. Toi, tu es à Rouen. Ton frère dit qu'on lui a donné le téléphone pour débloquer. Tu es à Rouen, ton frère est de l'autre côté. Donc, toi, tu as traversé Paris ici, elle donnait le téléphone à ton frère pour débloquer. Il débloque le téléphone comment? Bon, ok, on accepte. Donc, s'il débloque le téléphone, qu'est-ce que vous faites? Donc, quand vous dites que vous êtes amis, je reviens sur la fille, je rejoins dans la fille qui est intervenue sur Amé Kamé, aujourd'hui, je ne sais pas, qui disait que mais, quand tu es ami avec quelqu'un, la personne t'offre un truc comme le téléphone. Mais si tu trouves des éléments dedans qui sont compromettants, supprime. C'est ton ami, tu dis que non, moi, je ne peux pas garder ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais supprimer. À partir du moment où tu as l'intention de garder, ça veut dire que tu sais que à tout moment, hein, ça peut capoter. Ou alors que tu n'es même plus avec la personne à 100%. Donc, tu gardes les balles pour l'atomiser. N'est-ce pas? Bon. Pour moi, qu'est-ce que le téléphone quitte Paris, parce que la fille habite Paris. On t'a donné le téléphone à Paris. Je suppose que tu as le téléphone à Paris. Tu rentres chez toi à Rouen. Bon, ton frère, tu l'as vu à quel
moment pour qu'il te débloque le téléphone. Il travaille sur le téléphone. Donc, tu as laissé tout Paris jusqu'à arriver à Rouen. Tu n'as pas donné un technicien pour te débloquer. On donne des téléphones bloqués aux gens en Europe. On n'est pas en Afrique. Hein. Non, c'est au Cameroun. L'histoire raconte des conneries. Voilà. C'est le frère qui dit ça. Donc, toutes les excuses pour expliquer ou justifier le fait que lui, il est ce genre de choses avec lui. Ça ne se fait pas. Pour ma part, je pense que c'est notre soeur qui a envoyé. Je peux me tromper. Et si c'est ça, vraiment, je m'en excuse. Mais ce n'est pas gentil. Quand tu es ami avec quelqu'un, il y a des choses qu'on ne retient pas de la personne parce qu'on espère que demain, on va avoir des problèmes. Comme on dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Quand tu aimes quelqu'un, tu es ami, tu n'imagines même pas parce que tu fais même tout, que même si vous avez des éclats de voix, ça ne sorte pas. Donc, ça veut dire que tu n'imagines même pas en arriver au niveau où tu vas prendre l'intimité de son mari exposé. Ça veut dire que tu as déjà, tu n'es plus sur la même longueur d'onde que ton ami à ce moment-là. Ton ami, elle, encore, est d'un cœur avec toi, mais toi, tu n'es plus avec elle. Je lis un autre commentaire où quelqu'un dit que, mais la fille aussi a dit que, comme elle gérait le compte de notre sœur, elle aussi, elle a des choses, mais c'est différent. C'est pas la même chose. Ça veut dire que. Moi, la grâce. Moi, je pense que, compresseur n'a rien. Tu comprends, non? Compresseur en train de faire le sissi à Ndolo Moulema. Tu comprends un peu? Pour l'effrayer, puisque la fille, en donnant le téléphone, le mari avait à tout. Comment a-t-elle formaté le téléphone quand elle a remis peut-être quelque chose pouvait échapper, mais moi personnellement, tu comprends, non? Je pense que Compresseur n'a aucune vidéo. En connaissant le cœur de Compresseur, si elle avait les vidéos de Ndolo Moulema, on allait avoir ça depuis longtemps même. Tu comprends, non? Comment on l'appelle? La mère quand même vient jouer le genre de petit chantage, il n'a rien. Ils n'ont rien. S'ils ont alors, ils n'ont qu'à partager. Puisque nous sommes à Facebook, n'est-ce pas? Écoute-moi un peu, ma soeur. Nous sommes à Facebook, non? Mm-hmm. Ndolo que tu vois là, Ndolo n'est pas une personne que je connais dans les réseaux. Mm-hmm. C'est ma grande soeur du quartier qui est la mère de Ndolo Moulema. Mm-hmm. Je connais Ndolo Moulema. Ndolo Moulema est dans la team de composition depuis des années. Moi, j'étais ailleurs. Moi, je m'en foutais de ce qu'elle faisait. Elle aussi, elle s'en foutait de ce que moi, je faisais. Ça ne me gênait en rien. Tu comprends, non? Ouais, ouais. Donc, si moi, j'ai parlé à Ndolo Moulema. Je lui ai dit, explique-moi l'histoire du téléphone. Tu comprends? Elle m'a dit que ma gringa est partie chez elle à Paris. Elle a fait à manger. Ils ont mangé et tout et tout. Elle voulait un téléphone et son mari avait un téléphone qu'il n'utilisait plus. Est-ce que c'est S9 ou S quoi là, je ne sais plus, c'est le nom. Elle m'a dit que elle a donc que ça fait longtemps même que ce n'est pas ou en 2021, 2022, ça doit être soit en 2023. Donc et en donnant le téléphone à Ngringa, c'était chez elle. Donc, le gars a tout effacé, les choses, disons, éliminé les choses ou vidéo par vidéo, les trucs, quoi. Comme quand tu veux vendre un téléphone, tu essaies de tout effacer ce que tu as gardé dans ton téléphone pour donner à une personne. Et il a remis le téléphone. Mais quand Ngringa est venu avec le même téléphone et brandit ça en parlant, c'est là où elle a fait la sortie. Vous venez donc dire aussi à Ngringa que si peut-être, elle m'a dit peut-être, ou une vidéo a échappé et que c'est dedans et que c'est ce que Ngringa veut. Mais pour elle, le mari avait tout effacé. Tu vois, non? C'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Tu vois, moi, je sais que Jikamer a dit que le mari de Ndolo a eu une relation avec Ngringa, que même Ndolo n'était pas au courant. Je ne sais pas, je ne peux pas dire, mais il a dit dans son live, dans un live, que vraiment, c'est que nous, les gars, voilà, là, comme les hommes sont aussi comme ils sont, mais ils ont eu une relation, les deux. Tu vois, genre, on a volé un petit truc tous les deux, que Ndolo Moulema n'a jamais été au courant de ça, et que lui, Dikamel, il connaît la vérité. Dikamel,
gamin manque, quand le gamin n'arrive pas, Ndolo même, Ndolo ne peut pas me mentir. Ndolo, c'est, on a remis le téléphone chez Ndolo Moulema à Paris. On a remis à un compresseur. Ça n'a pas, le téléphone n'a pas été donné à quelqu'un d'aller donner en gringa, oui, été chez eux. Ils ont mangé, mais le fait que le gamin vient parler comme s'il connaissait. Ce n'est pas parce que Ndolo même là, moi, j'ai dit à Ndolo que, ou je sais pas, où tu as peur de quoi, ou je non, sais mais pas quoi. Justement, Ducamère était en train de dire que elle ne comprend pas que Ndolo la sorte et qu'elle dit ce qu'elle a à dire et puis elle passe dessus. Maintenant, le reste là, donc, Gringa, c'est pourquoi elle fait ses menaces. Quand Ndolo Moulema, elle est, parce que, avant même que ça n'arrive, j'ai parlé, ou deux ans, elle et moi, on est même devenus en froid parce que je lui ai dit que, qui derrière cette femme-là, tu ne fais que insulter les gens matin, midi, soir, les gens qui ne t'ont rien fait à cause de compresseur, tu allumes la caméra et tout. Laisse ces histoires-là, hein. Si c'est même ta propre mère que les gens lynchent, est-ce que tu vas la défendre comme ça? Moi, je l'ai toujours dit ça. Après, le monde s'est fâché. Elle est partie et moi, je suis resté dans mon coin parce que j'avais déjà vu ça venir. Tu comprends, non? Puisque même quand un gringa a fait la paix, Ndolo n'était pas contente, puisqu'elle n'a même pas consulté ces gens. Le genre que tu consultes au moins des gens que voilà, je vais aller faire la paix et tout. Non, elle n'a pas préparé, elle a pensé seulement à elle. Tu vois, et beaucoup sont partis. Ndolo est resté scotché avec elle. Vous vous souvenez l'anniversaire qui s'est passé à Rouen quand on rigolait de petits trucs. C'est Ndolo qui allait faire à ses moyens. Personne n'avait rien déboursé. Elle est quittée de Paris, prend la voiture jusqu'à aller lui faire l'anniversaire à Rouen. Donc, moi, je pense qu'ils n'ont rien. C'est juste que, comme compresseur connaît bien Ndolo Moulema, tu vois un peu, elle veut la sissia. En sachant que Ndolo est moins, ou elle est peureuse. Oui, mais dis à Ndolo qu'elle sort, qu'elle dit ce qu'elle a à dire, et puis elle passe à autre chose, c'est tout. Je lui ai dit non. Est-ce que je vais alors la forcer? Elle n'est pas un enfant. Moi, je lui ai dit, si ça ne sert à rien d'appeler encore les quotas, tu n'as aucune quota là-bas. Tu as fini de venir parler, ils ont allumé la caméra, et t'ont lavé là-bas, dans leur direct et tout. Donc, ça ne sert plus à rien d'appeler les gens. Fais-toi aussi une bonne vie. Soit tu vas avec tes anciens collègues, la Rose et Nancy, et vous partez. Tu coupes tes directs aussi, tu fais comme les gens, tu nourris ta page et basta, tu passes à autre chose. Puisque celle-là, elle vient devant les caméras, elle vient faire semblant comme si elle était grave, alors que par derrière, elle envoie les gens d'aller négocier avec Ndolo Moulema. C'est Ndolo qui refuse. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de me mêler de ça. C'est Ndolo qui refuse. Ndolo envoie les gens d'aller parler à Ndolo Moulema. De se reconcilier barbare pour venir nous narguer après que vous êtes venu parler, vous connaissez, et c'est la fille qui refuse. Je serais même bête d'accepter à nouveau. Moi, je lui ai dit ça, hein, avant-hier. Moi, je lui ai dit que, comme tu vois là, beaucoup de gens te supportent là-bas dehors, les non-nèmes et les centimes. Ton mari est déjà dedans là. Si tu te réconcilies avec Gringa, ça veut dire que tu as trahi ton mari. Parce qu'on n'a jamais, personne ne savait même pas que tu étais marié. Beaucoup ne savaient pas. Il n'y a que nous qui savons, hein, que tu es marié. Hein, on a traponné dans leur type là. Il y a des gens qui ont dit, ouais, nous on est en France, on a nos maris ici, elle est partie chercher. Voilà, et tout ça là. Et enfin bref, c'est un peu con tout ça. La Donc, si elle aime Gringa plus que son mari, elle va perdre son mari, un beau gars. Hein. La Rose, dort. La Rose dort déjà. La Rose a commencé son truc-là, des ancêtres. Ouais, après les ancêtres m'appellent déjà. Je suis là. La Rose, ta fille est énervée. Ma fille qui... Ouais, celle de l'autre côté. Pardon, je ne vais plus citer le nom. Je n'ai pas envie de me
Kimbungela. Non, celle qui était ici tout à l'heure. Maman, tu as dit que... Et tu sais qui a commenté là-bas beaucoup? C'est la sœur de ton ex-belle-sœur. Elle dit, parce que quand ça a coupé là... Oui. Moi, je te cherchais, je me suis dit, mais la rose, comment je me suis déplacée, mais ça a coupé. Je reviens, je dis, mais je cherche, mais la rose n'est pas là. Ok, ça a sauté. Et comme je zappe, parce qu'en général, pour entrer chez toi, je tape carrément. Et je vois son truc, je m'arrête, je regarde. L'autre, là, elle commente. Je ne suis pas restée, hein, c'est 3 minutes. Mmh. Et là, elle dit, elles sont toutes comme ça. Elles sont les envieuses. Donc, elles nous envient. Elles veulent toutes faire les lives comme nous. C'est la fille, c'est la femme, la sœur de l'ex-belle-sœur hein, qui dit ça. La loyale. Oui, non, la loyale, vous, bien sûr. Comme vous qui êtes dans le noir, vous voulez qui fait les lives. Non, toi, c'est pas nous, c'est vous qui voulez faire. Non, mais moi, je fais les lives avant qu'elle, donc ça peut pas être moi. Sauf, justement, moi-même, je fais les lives avant qu'elle. J'ai vu le commentaire, ça m'a fait rire parce qu'elle dit, donc, elles veulent tous faire comme nous, faire les lives comme nous, les envieux. Bon, ben, c'est pour ça donc qu'elle dit que je ne me retrouve pas dans son commentaire parce que je fais les lives bien avant qu'elle. Moi, je l'ai compris, sauf que la petite a été bien framponnée là-bas. Les gens ont dit, ah, on sent que c'est Flore qui donne les vues. Il n'y a pas Flore là, il n'y a pas de vues quand il n'y a pas de sujet. Et d'autres qui disent, l'Olympia a fait que gnagnagnagnagnag. Mais elle a été, les gens l'ont bien lynché là-bas dans son direct, hein, la rose. Hein. Les commentaires, je regardais. Après, j'ai dit, allez, hop, je regarde même ça. Mais c'est fini depuis, hein. J'ai regardé. La loyale. Ah, non, pardon. Il y a le nom de toi là-bas, Marie-Lou. Moi, je n'ai jamais. Oui, moi, maman. Suis, il y a quelqu'un qui vient chez toi. Moi, je n'ai jamais pas les détails. Il y a une personne qui vient chez la rose qui s'appelle Adia Adia. Adia Adia. Laisse ça, les commentaires là-bas, grave. Elles sont là-bas sur toi encore. Elles sont là-bas, machin, truc et tout. Et je dis vraiment, les pauvres gens. Et elle est énervée. Elle dit, moi, je suis même jamais montée dans ces lives. Elle est donc venue faire quoi? Voilà, je crois que je l'ai vu une fois, mais quand vous je viens. Donc, pas, mais vous venez quand même si faire quoi ici, ta, alors? Si ta chroniqueuse te dit, non, tu n'as pas le droit. Finalement, c'est toi qui es chroniqueuse. C'est elle qui tient le live. Moi, je peux pas permettre. Après, on va dire que je suis comme ça. Et maman, la bouche est française. Moi-même, tu aimes les problèmes. Tu es parti écouter quoi là-bas? Ouais, là, bon, je te dis que le live est fini. C'est pas ton truc à dire. Le live est fini, tu es obligé. Tu sais pourquoi moi je suis pas au courant beaucoup? Parce que je ne suis pas. Quand il est fini mon live, je ne pas. Mais au moins, tu sais que la loyale n'est pas loyale. Tu es au courant, non? La rose va revoir ça dans les coupures ou dans un commentaire. Elle va voir tout ça. Moi, je n'ai pas été dans sa page. Quand ça a coupé chez toi, quand tu fais défiler les pages, tu vois la personne. Oui, moi-même, quand ça s'est coupé, et j'ai tapé pour revoir si Rose était en direct. Voilà, le live est fini depuis, la Rose, c'est pas comme c'était en direct. Il y avait Étoile Crivière aussi qui était en live. C'est-à-dire, j'ai vu deux minutes, et puis je n'ai pas regardé ce qu'elle faisait, j'ai commencé à regarder qui commente, parce que je voulais voir les gens qui sont ici chez toi et là-bas. Bon, j'ai vu qu'une seule personne, mais bon, c'est pas important. Mais en tout cas, il y a plus de, les gens l'ont plus lynché là-bas. M'a dit, comme tu me vois là, moi, je suis comme une ampoule grillée qui n'a plus peur de coupe-circuit. Moi, je ne les gère plus haut. Je fais ce que j'ai envie de faire. Non, le reste, c'est pour dire qu'elle a vraiment eu la rage. Et Jacques, comme c'est elle qui donne les vues à la rose, en fait. Tu vois ce que je veux dire un peu? Je dis, mais c'est pas possible. Hier, qui la connaissait même, elle est venue hier quand elle faisait aussi c'est la musique. Quand elle est venue dans les trucs de tribalisme. Alors qu'elle est venue, elle est quand même montée chez la rose, alors qu'elle est déjà venue. Et la comment tu as appelé ça? Comment tu as appelé Marie-Lou? La loyale. Les commentaires de la loyale, laisse tomber. Je dis, ben voilà la loyale, Marie-Lou a raison. Elle m'a dit. Pour peu, elle va sortir une connerie alors qu'il n'y a pas de raison. Tais-toi, c'est tout. Tu dis à l'autre, passe dessus. Et je m'en dis, la rose, pardon, quand tu vas voir ta fille, va lui dire que pardon, je suis désolée. Mais dis-moi, je suis là devenu compliqué. Quand je vais voir, tu sais pourquoi moi, je reste... Franchement, tu dis que quand elle va voir ma fille, je ne vais pas lui dire quoi. Que parce que je cause souvent avec elle. Il y a d'autres personnes qui ont dit tu vois, moi je ne pars même pas dans les directs. Tu ne me verras même pas dans les directs. À part je veux que je m'en vais là-bas, je commente bien et propre, tu comprends, non? Il y a les gens qui l'ont dit, ils ont dit, tant pis même pour ceux qui peuvent venir demander pardon. Demander à quoi dans ça?
dit pardon. Demander pardon de quoi déjà? Bah, attends, c'est le commentaire qui disait là-bas qu'on demande même demander pardon à quoi? J'espère que... par rapport à quoi déjà? Pour faire quoi? Les gens me montrent les problèmes. On va demander pardon par rapport à quoi? La façon que veut aimer sa belle-sœur là. Non, mais c'est pour dire, en tout cas, on l'a beaucoup clashé là-bas. Hein. J'ai lu quelques commentaires, après j'ai dit, allez, hop, t'es gonflé là comme un bloc, je suis partie, quoi. Mais son live est fini depuis. Il y a aussi sa rivale, comme elle prend, comme la Clivienne, comme sa rivale. Comme sa rivale, la fille avait mis KO, hein, mais quand même, elle était dans le live. C'est le nom de Flore qui fait les vues. Nous, on a, d'autres ont même dit, nous, on attend l'Olympia. Les gens, et les commentaires sont chauds avec elle, hein. J'ai seulement ri, j'ai dit, bon, enfin. Bon. C'est ce qu'elle fait, elle va le regretter plus tard. Non, elle, vois, est non. Elle est venue elle-même laver les bamilékés. Non, c'est que sa communauté n'est pas contente d'elle. C'est qu'on l'a clashé dans le live, qu'elle est partie. Oui, parce que la communauté n'est pas contente de son comportement. En fait. Ouais. Elle est venue laver la communauté bamilékée, hein, la fille là. J'ai regardé ça, j'ai secoué la tête, j'ai dit, est-ce qu'elle est même normale? À cause de qui? À cause du fou du village. C'est pas toi, ça. Oui. Moi, j'ai eu l'impression que c'était un premier grand amour, parce que le genre là, j'ai jamais vu ça. Un pas grand amour, la sécheresse, non, hein, mon. Tu sais que quand il y a la sécheresse, on cherche là, on peut boire de l'eau, non. Quel homme, il n'y a qu'un fou comme l'autre qui peut supporter une femme comme elle. Un vrai garçon qui veut une femme, bah, c'était que le matin, tu es dans le live, matin, midi, soir, tu ne fais rien. C'est le gars qui lave les assiettes et tu filmes même pour montrer que le gars s'occupe de toi. Et si c'est ce que le gars même derrière la tête, Non. Nous sommes à Facebook, non. Mais la Rose a dépioté un de ses lives d'un moment où il disait que quand il parlait, il disait que je peux dormir avec quelqu'un tous les jours, mais quelqu'un qui m'a fait du mal, je dors avec lui, mais le jour où machin truc et tout, là, je crois que la Rose avait décrypté un live comme ça. Au live du fou du village. Un matin, oui, je crois. La Rose. Il était venu parler à Flore en parabole, non. Là, il a dit qu'il va empoisonner les gens. Ah, c'est qu'il va empoisonner les gens à cause de... Toi-même, tu dois dormir. À cause de la reine des crabes. Oui, mais elle ne me l'a pas épargné. Des fois, il lui lance des regards froids, hein, en coin. Elle ne s'aperçoit pas. Des fois, il lui lance des regards très froids, genre, tu me fais tout cela maintenant, mais si tu savais ce que je calcule. Des fois, il lance des regards très froids à son encontre. Même lui-même, il joue un mauvais jeu. Avec toi, donc je fais alors comment? Ok, je viens plus dans Facebook. Je dis pourquoi? Ma vie, non, je regarde comment tu es. Non, tu sais, la rose, la rose, j'observe, nous tous sommes allés dans un live. Il y a les gens qui ont une autre manière de regarder les choses. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est pour ça que j'ai dit que ma vie a une façon de pied. Parce que ma vie a une curiosité. Oui, j'analyse beaucoup, mais je suis comme ça même dans ma propre vie. Je suis quelqu'un qui est, comment on appelle ça? Qui observe tout. J'observe beaucoup. Comment on appelle quelqu'un de mitigeux? Je suis très mitigeuse, voilà. J'observe les détails. Là où tout le monde tombe, moi, je regarde pas ça. C'est des petits détails parfois. Et c'est ça qui empêche parfois qu'on tombe dans un gouffre. Exactement. Les gens, quand ils regardent, ils commencent les petits détails là, même qui te sauvent souvent. Les gens vont regarder ton live, la Rose, ils vont commenter. Mais il y a un petit truc qui ont échappé, qu'ils n'ont pas vu. Sauf qu'on va juste tomber sur toi. Parce que ce que tu as dit de gros, ça l'a fait, je sais pas si tu vois un peu. Mais ce mec, j'ai déjà vu. Mais lui seul, hein, pas avec elle. Ou il lance parfois certains regards. Tu sais, c'est un peu la relation avec quelqu'un qui te fait du mal ou qui te traite mal. Mais comme tu as besoin de la personne, tu ne fais rien, t'es tout souriant, tout gentil. Mais par moment, quand la personne se tourne, tu lances un regard haineux et tu te calmes parce que tu sais ce que tu veux. J'ai déjà observé ça chez lui une ou deux fois. Je te le dis, hein. Ça, quand tu as décrypté ton live d'un moment, je crois que c'était un matin, je t'ai suivi, et tu as dit
partie. Là, ça parle de la belle-sœur, mais là-bas, ma fille, toi-même, réfléchis bien encore. Fais attention. Parce qu'il disait que quand tu dors avec quelqu'un, moi, je peux être comme ça, moi, je peux être comme ça. Enfin, il parlait très... C'était virulent. Maro a décrypté le live, là. Pour le moment, peut-être elle n'a jamais eu un homme dans la vie, un homme qui repasse les habits, un homme qui fait à manger, un homme qui la chouchoute. Non, tu vois. On n'a jamais eu une relation sérieuse. Elle est tireur de coups. Elle a toujours eu les gens comme ça avec son. Et quand tu vois même le gars est dans le besoin, oui. Bah, si le gars avait l'appartement, il ne pense pas qu'il allait subir ça. Il ne viendrait même pas. Il ne viendrait même pas tout le temps. Donc, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que s'il n'a pas été à l'étoile caribienne, parce que l'étoile caribienne est occupée, plus que tu es quelque part, mais tu appelles l'étoile caribienne venir te dépanner. Mmh. D'accord? Mais l'étoile caribienne a une vie de famille. En toute amitié, elle va le faire. Mais toi, il a regardé le profil, femme seule, des enfants, elle a l'appartement, bah c'est bon. Et l'étoile caribienne, quoi, et de quoi tu donnes encore le pouvoir à l'homme de tout faire, même là ou même dans ton lit, à ton intimité, il fait les lives. Au début, quand ça a commencé, Amer lui avait dit qu'il veut faire un buzz pour la hausser un peu. Mais le buzz s'est transformé. C'est pourquoi l'étoile a framponné sur en disant que regarde-moi ça. Comme ça, la question de rendez-vous, c'était un buzz au départ. C'est elle qui a transformé sa vie de fait. Tu vois un peu. Voilà. Elle est en jachère, c'est une femme en jachère. Tu te rappelles pas les clashs avec la veuve? La veuve disait que regarde-moi celle-là qu'on prend dans les bois pour rien du tout. Parce qu'elle a, elle est droguée. Ouais, ouais. Elle est droguée. Elle est même pas mal comme fille. Hein. Elle est même pas mal pour être aussi à ce niveau-là. Hein. Tu sais, quand tu es têtu dans la vie, hein, parfois ah, même dans la famille. Moi, je la trouve belle. C'est une belle fille. C'est ce que je dis qu'elle n'est pas mal, c'est une belle fille. Ouais, mais si ton comportement est trop lâche. Et le comportement ne suit pas, c'est le comportement qui gâche tout. Mais oui, la famille aussi finit par laisser tomber, hein, tu sais. Puisqu'elle-même, elle était venue en France, 2 ans après, elle ne va pas à l'école. Lui, elle est venue pour l'école, rien. Elle s'est cassée de là parce que c'est les gens qui veulent être des marginaux. Mm-hmm. Et il y a une copine à elle qui a parlé dans le live de Boom qui avait parlé un truc là. La fille disait, tu as toujours envié tout le monde, tu rêves dans ta tête, tu n'étais rien. On était là à Yaoundé ensemble, tu as envié tout le monde. Tu veux la vie de tout le monde, tu as toujours été comme ça. Mais t'es une merde de merde, on te connaît. Elle dit comment elle a les chaussures qui coûtent ceci. Moi, je ne l'ai jamais vue bien habillée. Elle a que les habits de Waka. Ouais. Ouais. Les seins qu'elle a mis, elle a mis les seins. Il faut qu'elle expose ça. Non, elle reste. Il n'y a que ça. Moi, mon problème, hein, je m'en fiche de là, en fait. Le problème, c'est que. Elle a mis les seins. Oui. C'est le nom qu'elle fait, c'est que elle avait mis. Elle fait des choses qu'on ne fait pas. Elle insulte tout le monde. Elle dénigre tout le monde. En fait, c'est une perverse narcissique dans le vrai mot. Une personne qui vous renvoie son image à elle-même. Mmh. Et elle vous dénigre alors que c'est elle qui est comme ça, en fait. Et c'est ce que l'étoile très bien a compris. Regarde et même une mère d'enfant. Ouais. Tu privilégies un homme. Et, parce qu'elle a quand même 39 ans, hein, 39 ans, excuse-moi, 40 ans, c'est là. 49 ans cette année, et tu privilégies un homme non, et tu laisses tes enfants. 39 ans cette année, et ça dit 40 ans, elle est à la porte de 40 ans. Je suis désolée. Si elle était une nana avec ses 2 enfants calmes, les hommes défileraient, hein. Mais un homme qui te respecte, même te dit, écoute, ma chérie, pour les enfants, bah, tu sais, je ne fais pas, machin, des trucs comme ça. C'est tout. J'ai dit que la fille là dort sur TikTok et elle allume TikTok, elle allume YouTube, elle allume Facebook. Tout ce qu'elle fait là, comme elle faisait le direct là, en même temps, ça passe dans les 3 réseaux là. C'est elle qui insultait les gens Waka. Au final, c'est elle qui se retrouve une Waka de seconde zone. Tu vends tes photos à 1,50€ que les gens regardent en train de te mettre les doigts de partout, les chaînes de partout. Mon Dieu, c'est moche, c'est laid. C'était vraiment contre elle. Mais oui, c'est elle. C'est pas que c'était vraiment elle, c'est elle. C'est elle. Tu n'as pas vu la dernière photo là où
Elle a les chaînes aux pieds voilà, attachées. Le truc là, appelle seulement le truc. Tu vas voir les photos, mais c'est horrible. C'est de la pornographie, de la pornographie. Tu écartes les jambes entre eux. Et bien avec sa foufoune qu'elle a de partout, la maman, l'horreur de ça. Ouais. C'est même pas caché. Rien n'est caché, hein. C'est genre. Mais elle-même, elle s'en fout, hein. Elle s'en fout royalement, hein. Ça ne lui dit rien. Pour elle, elle pense qu'en faisant ça, elle sera star comme les Madonna. Lancer les slibans. Mais dans son live, elle a dit, quand Rihanna, quand on insulte Rihanna, est-ce que Rihanna répond, elle n'a pas le temps. Et les gens ont écrit. Mais elle répond alors pourquoi? Et les gens ont dit, tu dis que tu t'en fous, mais c'est toi qui pleures tous les jours. Est-ce que Rihanna a fait un live un jour? Non, mais le pire, tu parles avec les Rihanna que Rihanna a son business, même si elle ne chante plus aujourd'hui, ses produits marchent. Rihanna, la milliardaire, c'est une milliardaire. Rihanna fout le milliard, là. Tu rigoles ou quoi? Et Rihanna ne peut jamais accepter ses photos comme ça, elle rachète tout. Qu'est-ce que les Madonna ont fait? Les Madonna ont racheté tout ce qui était nocif pour eux. Tout. Tout jusqu'aux pellicules. Ils ont tous acheté. Elle croit comme ça, un producteur va la prendre. Non, mais ça va pas, non? Quel producteur? Pour voir Rihanna. Cardi B. Tu as vu à quel point elle rêve dans sa tête? Elle a elle allé aux États-Unis les retrouver là-bas, non? Elle me fait elle même de la peine à la limite. Perdre là-bas. Elle me fait de la peine à la limite. Et le père des enfants, mais oui. Non, la rose, tu t'es, tu peux pas dire que je mets les organes. La rose, tu sais, moi j'ai une fille. Coucou, Tati Johnson, bienvenue dans le live. J'ai une fille, hein, Marie-Lou, tu comprends? Oui, mais tu as une fille, ta fille, c'est pas ta fille. Oui, ta je fille. Sais. Non, tu vois, mais quand voilà, tu vois une fille aller comme ça, là, tu penses à ta voilà, fille. Tu te mets à la place de toute maman. C'est-à-dire que tu dis, mon Dieu, quelle souffrance pour rien. Souffrance pour rien. Maman, on peut pêcher dans le haut des airs comme ça, là. La rose me dit ça tout le temps. Maman, elle est là quand elle tourne toujours autour de ces 53 mètres là. Hein. Le tout gars est en train de nettoyer les WC. Elle tourne toujours à côté. Dans sa tête. C'est quoi? Ok. Tu voulais mon nom. Ah, mais c'est pas possible. Il parle, alors, il montre que bon, je suis un bon, mais un bon mari, hein, je suis un homme à part. Il est sale, il a maigri, on sent la pauvreté sur lui jusqu'à. Le gars, son grand-père lui avait dit qu'il ne peut pas être sale. Son grand-père lui dit qu'il ne peut pas aller au pays. L'ongata attend là-bas, là où il est là, il peut aller où? Il va seulement tourner à Facebook, au TikTok. Il a marqué la roche, tu as vu comment il commence à faire le jazz avec les points noirs qu'il n'a pas. Il commence, il fait le jazz dans le cul. Il commence. Ah bon? Je ne savais pas. Moi, j'ai remarqué qu'il y a des trucs, des petits points là, tu sens la peau et tout. Il y a de taches noires, on dirait que c'est que les appos du visage. Il a beaucoup trop de boutons, les boutons. Le monsieur est là, dans une assiette. Il va avoir du tachom. Il mange comme un vide. Il a jamais tachom, le gars n'est même jamais assis pour manger. Il mange debout. Après, c'est dans la chambre. L'autre prend son téléphone, l'autre son et dit, mon invité. L'autre au salon, l'autre est dans la chambre. La rose, c'est comme toi, tu vas faire ton live et tu vas dire que Rose était en live avec Monsieur Duquet. Vous êtes dans la même maison, hein? Vous êtes dans la même chambre. Sauf que toi, tu es couché sur le lit et lui, il est assis sur le bureau. Voilà ses invités. Ouais, Joe. Ouais, la vie, si Dieu n'est pas. Il y a des trucs qui ne sont pas bien sûr. Moi, je pense qu'Amer Kamer, c'est ce qu'il fait. Il y a quelque chose que nous, on ne connaît pas, que lui, il n'y a que lui-même. Non, il n'a pas de maison, c'est tout, puisqu'il dit que ça va. Oui, il n'a pas de maison aussi, il bénéficie quelque chose de plus que la maison. Je crois qu'il est très en colère, parce que je crois qu'il est même sorti. Parce que là dans son âme, le visage est foissé, ce n'est pas que pour ici. C'est qu'elle a écrit le titre, elle a dit,
Le respect doit être réciproque ou le respect, si c'est quoi là? Tu sens que le gars n'est pas là. Elle est en train de réfléchir que putain, qu'est-ce qu'il manque? Il va encore aller chercher quelle nana. Elle tremble en permanence. Ouais. Mmh. Mmh. En permanence, elle tremble. Voilà là, le terminus de la mer quand même. La Rose, tu m'as déjà vu dans ton live un samedi à cette heure-ci. Hein? Mmh. Ben voilà, si je suis là, c'est qu'il y a des raisons. Ça veut dire que là, je suis light. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je comprends bien. Compris. Ben oui, je ne suis pas là. Mon homme, il est en voyage d'affaires. Donc, jusqu'à demain, ben, j'attends demain soir, il va rentrer. Mais ça me fait du bien. C'est pénard, tu prends un bon aussi. Ah, donc, tu n'as pas remarqué comment je suis là depuis. Ça me fait, je suis bien, la Rose, mais bien. Ben, je parle même ouais. Fort. Je parle même fort là et tout, comme si... voilà, samedi soir, tu ne verras jamais comme ça, non. Là, je parle fort, ça fait du bien. C'est quoi ce genre de nana où tu dois... Tu l'étouffes. Tu bouffes son oxygène, quoi. Merde. La fille a été en manque, hein. Aïe. Elle était en manque. Quel homme pouvait rester? Aucun homme ne reste. Sa copine a même dit là où elle a framponné, là, ce que vous a fait écouter. T'es gars, moi, une nana comme ça, elle est partie en boîte, elle a un homme, une fille qui part en boîte, un homme tire son cou, elle tombe enceinte. Il est où? Tu l'as jamais même vu. Là, sa copine. Vous connaissez quoi de sa vie aussi, celle-là? Non, c'est pas. Boubkena faisait relire un truc. Mmh. Une copine à celle-là, parce qu'elle la connaît, oui. Apparemment, elle dit, tu viens m'en. Il y a aussi les gens qui viennent mentir. Apparemment, c'est dans les lives. C'est que Boubkena n'a jamais de preuves. Elle va aller dans un live. Elle va écouter un truc. Elle va enregistrer le truc. Elle dit que quelqu'un peut aussi venir parler comme ça. Ça, c'était des règlements de compte. Tu vois un peu, Marie-Lou, entre des copines qui se connaissent. Tu comprends un peu, non? Et c'est que Boubkena a récupéré. C'est-à-dire que c'est entre... Parce que la fille même dit dans le live que oui, quand on était là à Yaoundé, machin, tu viens mentir aux gens que tu étais ceci, cela, n'importe quoi. Enfin, bref. Des trucs comme ça, quoi. Et comme c'est Boubkena, moi, c'est son live. Quand elle parle, ça m'énerve parce qu'on dirait qu'il y a des trucs qui sortent de sa bouche. Boubkena, non. Oui, si c'est chez quelqu'un d'autre, j'écoute. Boubkena, la bouche est pâteuse et voilà. Sale. Ça... La bouche de Boubkena. Boubkena est pâteuse. Je me demande, est-ce que c'est pour ce même couleur de l'Europe? Elle a la grosse langue comme moi. Et pourquoi la tienne n'est pas pâteuse? Et elle a encore mis le persil sur ça. Moi, je te jure, moi, je suis une femme qui a déjà le persil au niveau du menton là. Voilà, la langue. Ça. Je dis que elle là, ça parle de saleté là, maman. C'est sale, dis donc. Elle a beau essayer, la Boubkena montre. Elle que... y avait une dame qu'elle représentait, elle représente ça. La personne a récupéré son business qui est. Même les perruques, là, on va récupérer. C'est ce que je me dis, la Rose, c'est ce que je me dis. Tiens, fais pas gaffe. Ou une personne va essayer d'appeler la dame qui vend les perruques, là. Tu connais Facebook, non? Elle continue. Moi-même, je vais appeler la dame. Et ça, je crois que c'est Nancy. C'est pas Nancy qui a dit un truc comme ça. Pas besoin d'appeler la dame, mais ça va. La femme même va récupérer. La dame, elle est sur Facebook. Oui, mais demande même que les businesswomen là, elles ne peuvent pas aller chercher les gens qui ne sont pas dans les classes pour vendre leurs choses même. Elle a donné le contrat à l'Ambouka, la base d'Ambouka, elle l'a défendu. C'est tout. Donc, quelqu'un te défend quand tu signes un contrat. Oui. Et elle a donné à son autre maman et sa mère est en train de pleurer dans les box qu'elle a fait pour Noël. Elle a même envoyé même les perruques à ma pépé. Je vais t'envoyer encore une autre perruque. Elle a donné à ta maman. Tu prends ma pépé. Alors que tu as ta mère qui pleure au Cameroun. Ma pépé. La fille là, Ta mère vous a dit qu'elle a une Même si elle n'aime même pas, au moins tu fais un geste. Même, ouais. Elle peut donner même aussi. Elle vend et l'argent, elle envoie ça à sa maman. Pourquoi? Elle envoie l'argent à sa maman. Non, elle envoie à ma petite. Même si elle envoie. Comme ma perpète, alors là, ma perpète. Et elle aime le njo.
La rose à l'autre. C'est sûr même que le jour où elle a fait la boucle, elle va acheter la boisson pour elle. La rose a dit, Flore t'a déposé direct. Flore t'a dit que voilà son fils qui est là. Ça veut dire que elle a qu'un seul fils et deux petits-enfants. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, ma pépé? Mais deux mamans. Quelles deux mamans? Oh là là. Entre temps, sa mère n'a pas le matelas. Ouais. Oh, ça fait mal, hein. Mais la mère l'a dit depuis d'arrêter de venir faire les clashs. Qui lui dit? Pourquoi le 12 de Facebook doit arrêter? Pourquoi? Elle n'arrête pas. La rose aussi dit que quoi? Que dès qu'on lui envoie un 10 000, elle verse. Dorcas, dès que Dorcas veut se rappeler, c'est bien. Je lui envoie 10 000. La mère a venu tout verser. Elle dit qu'elle pissait, elle a pissé au lit jusqu'à tel âge. Elle était dans le lit. Elle a fait oh, co, à maman, non, non. Et vous trouvez ça normal, que c'est une famille normale? Non. Parce que tu ne peux pas me dire qu'une maman, même si mon enfant m'a fait quoi, il y a certaines choses que je ne peux pas dire aux gens de l'extérieur. Il y a un truc qui ne va pas dans leur famille, la maman et la fille, hein. La mère dit comment Boum qui a tapé sa grand-mère. La rose. Écoute les choses que tu peux dire. Que allez là-bas au quartier, vous demandez, on va vous dire que elle et sa grand-mère c'était bien, si elle insultait tous les jours. Est-ce que Boum qui alors que ça lui dit rien, mais c'est Dorcas qui s'égosie pour rien. Ça dit toujours, hein, Marie-Lou. Mais tu crois qu'elle est normale, la fille, qu'elle a traversé l'eau, elle a vécu au Maroc. Et elle a survécu, vous créez comme toi et moi. Avec des lots, la répétition. Elle a nagé avec les requins. Oui. Elle a même vu les gens mourir, traverser les corps. Tu vois que là où elle est là, même. Nous, on peut croire que la fille là est clashée, alors qu'elle a un problème psychologique que nous minimise. Pourtant, elle en souffre. Et les viols et tout ça, là. Oui, mais quand une personne te donne l'impression que ce n'est pas ça. Elle croit qu'elle est plus grande. Tu veux qu'on fasse quoi? Quand quelqu'un veut qu'on... Moi, je ne la considère pas. Ces choses-là, je ne la considère pas parce que je connais un peu leur souffrance. Donc, quand on montrait tout le temps... Mais c'est dur quand même parce qu'insulter les gens comme elle le fait tous les jours. Lolo pipi, lolo pipi, lolo pipi, lolo pipi. C'est comme si on lui a même prescrit lolo comme une prescription médicale. Maman, hey! Même les choses qui ne sont pas vraies, elles parlent. Et après, le lendemain, ce n'est pas vrai. Maman, c'est autre chose. Elle dit, les vôtres, j'ai oublié. Surtout, je les vois. Les vôtres. Mon bloc. Elle dit mon bloc. Celle du Cameroun aussi dit mon bloc. Mon bloc. Celle du Cameroun a lavé les civets à mer quand même. Rincé. Waouh. Celle du Cameroun là, elle condamne sur quoi? Elle en Italie, elle peut manger les macaronis, les pastas, machin là, et la feta là-bas. C'est une sambre qu'elle t'a déchue. Celle du Cameroun là, même là, elle fait la pub du neuf. Elle est même, toi, tu n'es pas dans l'avion, maman. La fête. Oui, la fille a dit non, venez nombreux, ma chère. Je te dis, on dit, mais bon, puis n'était pas aussi à la fête. La France, tu n'as pas vu ce qu'on dit maintenant là pour avoir le visa, il faut déclarer les impôts au Cameroun. Ah, bah c'est logique, non? Maintenant là, ils ont mis ça en place. Ah bon? Donc, pourquoi on te donne le... Ça, c'est... Il faut déclarer déjà les impôts. Ça dit que la France a fait d'autres trucs. Peut-être le Cameroun a signé avec la France avec d'autres contrats maintenant. Ils font ça, c'est toujours des contrats, c'est toujours des traités qu'ils font. Limiter l'entrée, les entrées. Limite les entrées, donc... Surtout nos citadins du pays, là, qu'ils viennent avec les enfants. Oh, les enfants viennent faire les études ici. Les braves, non. Non, mais c'est normal. Pour moi, c'est normal parce que vous ne pouvez pas fuir, payer. Vous ne payez pas les taxes chez vous, dans votre pays. Mais vous venez mener la grande vie en Europe. Vous montrez vos dépenses. Les gens de la France, vous nous montrez.
Voilà. Et c'est vous qui filmez toute la grande vie que vous menez, vous mettez dans les réseaux sociaux. Ouais. Quand vous vous demandez de payer des impôts au Cameroun, vous allez trouver que c'est exagéré, c'est de trop, c'est ceci. Mais vous voulez que les caisses de l'État, c'est vrai que les gens volent, mais si vous-même, vous ne payez pas aussi, vous ne payez pas. Tout, vous voulez. Nous, on fait la TVA ici tous les jours. Tu achètes une bouteille d'eau, on t'a appris la TVA. Il y a la TVA dedans. Tout est taxé en or. C'est là. Tout. Ouais, tout. Tout. Ils sont là, ils sont là, ils font les courses, ils viennent avec les enfants. Comment vous ajoutez, elles sont là-bas, même leur Starbucks quand là-bas, je te dépasse. Elles sont là-bas, elles te disent ici en France, je te dépasse, alors que tu lèves à 4 heures du matin pour gagner ton pain, tu dors à des heures pas possible. Vous achetez les voitures, mais comme si elles achetaient le vélo. L'autre, sa fille, elle fréquente ici, donc elle saura alors ce qu'on appelle alors un bing. Te lever tôt, accompagner l'enfant à l'école, assister à tout. Et s'il n'y a pas les boys ou les bonnes qui vont travailler pour toi, hein, comment on l'appelle? La courteline, non? Courteline, ton enfant fréquente ici. Mais elle est l'enfant avec elle, mais elle est au Cameroun, non? Elle est ici, non, avec l'enfant. Elle soit disant dans le père, parce qu'elle montre, en ce moment, si elle montre un jeune là, ou c'est le père de l'enfant, ou c'est elle-même qui connaît. Parce que la brave aussi a affiché le mari quand elle était à Roland Garros pendant l'été. Elle a posé la photo des deux. Elles sont comme ça, et là-bas, elles ne payent pas les impôts, mais elles viennent ici se la péter, les Roland Garros. Elles vont maintenant, alors, c'est chaud, hein. On dit que l'autre est parti aux États-Unis pour accoucher. Elles vont dans les États parce qu'il y a des États aux États-Unis, le droit du sol compte là-bas. Donc, quand tu accouches un enfant, l'enfant est direct américain. L'enfant a le passeport américain. Donc, sûrement, elle est partie là-bas. L'enfant peut être américain, mais toi, la vie est dure. Tu dois bosser dur. Non? C'est pas. Tu n'as que dalle. Voilà, il y a plein d'avantages que tu n'as pas. La France est une terre d'accueil pour beaucoup. Celle qui a amené la petite là, ici, là, on ne rigole pas. Hein. J'espère qu'elle a bien réfléchi parce que suivre la scolarité de l'enfant ici, il faut être... Mais la personne qui a pris l'enfant chez elle va gagner les allocations sur l'enfant. Non, pour que la personne gagne les allocs, il faut déjà que soit elle passe par le tribunal pour donner à la personne, la personne devient tuteur légal. Peut-être qu'elle a tout fait. C'est ce que je dis, peut-être qu'elle a tout fait. Parce que c'est bien beau, l'enfant est encore trop jeune pour venir. Et votre mur de Berlin qui a fait son institut a fermé à cause. Elle va fermer Michou, donc en fait. Tu dis quoi? La famille là, quelle famille? Tu parles de quelle famille, maman? La famille là, quoi? Je sais pas, j'ai pas compris un peu. C'est venu vivre en Europe qui n'est pas, parce qu'elle va se rendre compte que la vieux payée. La famille là a un truc, comme si elles ont le toc, comme on dit chez nous, les BAMS. Le toc. Quelle famille? La famille Boumkena. La famille Boumkena. C'est quand même inadmissible qu'une mère. De vendre son enfant à 1 euro comme ça, là. C'est pas bon. Même si ta vie est ce qu'elle est, mais on ne vend pas ta propre vie. On a rigolé ce soir. Hein. Si la rose te dit ça, tu ris. Elle dit non. Donc, quand ça a trouvé son filon. Moi-même, je pense que la mère a un problème. C'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. C'est pas normal. On ne fait pas comme ça pour ça. Ça, c'est vendre ton enfant. C'est-à-dire qu'on te dit qu'elle a insulté le loto, si tu commences à dire que oui, même elle a fait pipi jusqu'à 22 ans. C'est quoi ça? Elle-même, elle n'a pas fait pipi jusqu'à 10 heures. Ouais. Je te jure. Ouais, auntie. Mais quand on lui donne un peu 10 000 là, c'est bon. C'est la pauvreté. Dans la pauvreté, va faire comment parler de ton enfant. Tu avais dit qu'elle aussi, elle a fait pipi jusqu'à 22 ans, maman. C'est quelle histoire? Ça veut dire que la matière là même elle n'est pas bien psychologiquement. Non, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Qui fait ça? Tu t'abstiens. Même si ta fille t'envoie rien, tu dis seulement, c'est elle qui voit.
Je souhaite seulement. Elle n'a même pas. Elle peut nous montrer qu'elle a. Alors que elle. Même pas les appels des gens. Comme ça, là. Que là tu ne connais pas. Plusieurs fois. On vient tout te parler de ta fille. Elle joue toujours à ce jeu. Elle dit qu'elle parle tout. Elle ne réfléchit pas que moi. Non. Je m'appelle plus dans vos bêtises. Elle est tout en train d'ouvrir le ventre. Elle livre tout. Moi, je n'ai jamais compris ça. La personne qui m'a étonné, c'est là où je peux même encore l'appeler. Même Dorcas aussi, elle joue aussi un mauvais jeu. Hein. Elle connaît déjà que la petite là, elle est comme ça. Pourquoi appeler non, sa mère non, pour humilier la non, maman de la quoi, fille? Je ne suis pas d'accord. Cette fille-là, tu sais, Marie-Lou, il y a tout le monde ne peut pas être comme, par exemple, toi, tu vas dire, bon, je passe dessus. Quand tu vois une jeune fille comme ça, tu peux prendre à peu près même comme ta fille ou ta petite sœur, elle t'insulte, elle te caricature, elle met ton mari, elle met tes enfants, elle parle de toi comme vous avez vécu ensemble. Tu sais, il y a des personnes qui n'acceptent pas ça. Ils peuvent te l'humilier, quelle que soit la façon, quitte à se servir des personnes qui te sont accompagnées des gens comme ça. Elles sont arrivées à ça comment? Parce qu'il y a souvent, il y a les amitiés parfois, quand quelqu'un veut venir entrer en toi, il y a des relations que tu gères à distance. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour arriver, pour que celle-là m'insulte, moi, je ne peux pas être ami avec mais elle déjà. Hein? Toi, de frère du village, on est baganté, non? C'est ça? Moi, je ne peux pas être ami avec. Il y a des personnes que moi, je regarde quand tu veux entrer en moi, moi, j'esquive. Parce que je n'ai bon, pas. Bon, moi, la question que je pose hein, est de savoir comment. Est-ce que Dorcas a fait pour connaître la maman de la fille? Quand Dorcas a perdu sa mère au pays, donc elle a envoyé la maman d'aller assister Dorcas. Ah. Oui, parce que ici, je crois que docteur Dorcas a voulu la soutenir sur la toile comme une fille du village, une bagantée, tu vois un peu. Elle a encouragé. Ils ont fait les yamseurs. Donc, voilà. Quand Dorcas perd donc, sa mère au pays, société à Douala, elle envoie donc, elle donne donc les coordonnées de sa mère et à Dorcas pour aller assister Dorcas à son nom, en son nom de Boukena, quoi. C'est là où ils se sont familiarisés. La femme aussi, tu connais nous, les gens du pays, non. Elle ne te connaît même pas comment se pour raconter sa misérable vie. Que parce que tu viens de l'Europe. 100 000 francs au Cameroun, elle l'avait dit. Qu'elle lui avait donné. Voilà, c'est comme ça que. Vous sortir au contraire, hein. C'est toujours votre sœur, la sœur de la Rose Gondjal. C'est elle qui a amené la mère de la fille là, dans les réseaux. Donc, elle n'a toujours jamais voulu. Elle avait tous ses secrets. Sa mère lui a bien parlé, mais elle n'a jamais rien dit. Tu comprends, non? C'est Gondjal qui a amené la maman là. Ça fait triste. Ouais, comment ça? C'est elle qui a amené la maman, non? C'est elle qui a fait sortir cette loi, la rose qu'on aime mieux. La maman est partie témoigner, non? Oui. Alors que Dorcas n'a jamais voulu. Dorcas a dit, voilà, tout ce que j'ai toujours voulu éviter maintenant, bravo, comme tu trouves que je suis méchante, maintenant, voilà ta mère qu'on a exposée sur Facebook, c'est normal. Et même jusque-là, Dorcas ne sortait pas pour dire tout ce qu'elle connaissait de la main, alors que boum, qu'elle avait commencé déjà à la clasher. Maintenant, si tu t'en vas trop loin, tu te dis, bon, ok, il n'y a pas de souci. Et comme... Moi, je n'ai même pas compris comment tu t'es laissé retourner même avec les hamsters jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas compris. Quoi? Je n'ai pas compris comment ça a viré jusqu'à aujourd'hui. Que, parce que Lolo pourrait laisser une prescription médicale. Hein. Lolo le matin, Lolo à midi, ça, Lolo le soir. Elle ne se fatigue pas. Où. Rose. La Rose a encore commencé avec cette demi-sommeil-là. La Rose. La Rose est chez les ancêtres. Un petit voyage. Mais si vous ne parle pas de ça, elle n'a rien d'autre à dire, c'est ça le problème. C'est comme du Kama, dit que toi, ton blog, c'est Lolo Pipi. Oui, elle n'a aucun autre sujet. Elle ne s'est pas créée. Elle n'est pas fatiguée. Les blogueuses, même, tu sors même des fois, tu fais les tours. Il y a quelqu'un qui a dit ça aussi. Les blogueuses, ils veulent la merde. Les nouveaux venus, là, vous les prenez. Oh, ma fille,
mon fils, ma fille, mon fils, ma fille, mon fils. C'est ça qui m'a étonné sur la distance. Ma fille par-ci, ma fille que vous êtes venue pour chercher les filles ici. Ça, je lui dis, mais vous êtes venue dans Meta pour chercher les familles. Ma fille. La France a tellement changé. Gondjal là-bas, alors que si un vrai problème arrive même à la petite là, hein, Gondjal là-bas, même pas mettre les pieds. Mais la Rose a dit ça aujourd'hui, que mais n'est-ce pas, elle aurait aussi pu l'inviter à Noël, que vient ma fille avec ma petite si on mange ensemble. Elle vient de l'Italie, passe des fêtes avec nous. Bien sûr. Gondjal a d'abord l'argent là, même qui mourrait pour elle, non, elle a mis les pieds. Non, mais voilà, même si elle avait là sur sa table, là, ça peut se partager, pourquoi pas. Comme on dit, quand il y en a pour un, il y en a pour 10. Tu sais que le compresseur est pauvre d'esprit, tu vois, non. Elle est incapable, même tout un jour de fête, même s'il n'y a même pas fête, même beaucoup. Tu fais une bonne quantité de nourriture, tu peux manger du 24, 25, 26, non. C'est ce que je disais alors que même tu permets, je n'ai pas encore préparé. Tu fais un peu de riz, tu fais un peu les pommes rissolées ou les dauphines, ce que tu veux. Tu vois un peu les petits frites qui sont. Tu vois un peu, ça te fait beaucoup quand même. Quand même d'avoir la petite gagou, la petite là, elle était forte. Depuis, elle est devenue un peu mince. Est-ce que l'enfant la mange à sa faim? Je n'en sais pas où. Sur une table, tu mets comme ça, il y a quand tu pioches un peu de riz, tu prends un peu de frites, tu as vite fait te rassasier. Le lendemain, il y a encore la même nourriture, hein, il est plein. Surtout à Noël, souvent les gens, on prend souvent plus des apéritifs que moi-même de manger et on n'a plus tellement faim, quoi. Donc, c'est plutôt le lendemain, le premier, oui, vous mangez bien. Mais là, tu vois la table qui fait pitié, tu dis, parce que vous êtes trois. Ouais. Trois personnes. Le mari n'était pas là, le mari était ailleurs. Et c'est le 31 qu'elle nous a balancé, Thierry. Et le 31 parce qu'il est parti rejoindre la fête. Ça dit qu'il a fêté avec notre famille d'abord. Mais le vrai jour même, alors qu'on devait manger en famille, c'était le réveillon même. Le premier ou le 31? J'ai dit le 24, non. Le 24, non, oui. On fait toujours le 24, hein. On fait à manger, tu invites les gens, vous mangez. Non, Gondjal était, Thierry était ailleurs, elle a même filmé, elle avait même honte. Oui, honte, mais vraiment, les gens sont terribles. C'est une histoire d'amour, si elle finit, non, où est le problème? Tu as honte de quoi? Avec quelle force? Tu forces une chose qui n'est même pas à toi, mais tu veux montrer aux gens que c'est moi qui est là. C'est ça qui les tue. Le côté c'est moi, je suis une femme indépendante, tu t'en fous. C'est ce qui va arriver à votre fille de l'autre côté, l'autre côté là qui insulte les gens partout, la mal élevée là. Quand du camion va disparaître, elle va péter un plomb. Elle va péter un plomb. Et tu vois le mec qui va te griller après parce que les mecs se disent ce que j'ai vu là-bas, j'ai pas envie d'essayer. La fille là, elle n'aura personne. Hein. Même sur son TikTok là, comme les gens vont dire ce que je vois là, ah non, moi j'ai pas envie de ça. Comme ça qu'on crée souvent son image sans s'en rendre compte. Il faut voir les choses qu'elle elle fait, les trucs qu'elle raconte, comment. Même si elle met quand même pas demain, il y aura des souvenirs. Elle prévoit, en fait, elle fait la psychologie renversée. Même s'il part là, bon, ça peut arriver. Est-ce que quand tu es dans une relation, tu commences à dire que même s'il part demain, tu vis l'instant présent et pleinement. Quand tu te maries, tu prévois déjà le divorce. Voilà, tu vis l'instant pleinement. Pleinement, tu vis ta vie normale, mais tu commences pas à dire si, même si demain il part. Les souvenirs en 3 mois. Jusqu'à compte les mois qu'elle a combien de que aucune femme n'est restée avec lui 3 mois. Aussi longtemps. Mais elle n'a pas vu avec toutes ces femmes là pareil. Qui connaissait Akwa Yongzu que Amé Kamara grillé la vie de la fille, la vie de la femme là. La fille là faisait sa politique depuis des années. J'étais abonné à sa page avant les élections de 2018. Elle avait 500 000 abonnés. Les hommes qui
gâche la vie des femmes. Quand il vient chez toi, il te laisse la poisse, il part avec tes chances. Elle faisait elle, ces trucs de trucs du Cameroun là. Elle était contre pour lui. Elle faisait ses postes tout le temps. Elle était suivie. Après, quand même, elle est entrée dans la vie. Et la fille même, elle a perdu sa page de 500 000 abonnés. C'est pas. Elle a recréé une. Oui, elle a recréé une page, je ne sais pas. Et elle peut-être lâchée aussi. Non, 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 c'était pas une clasheuse. Elle était dans la politique. C'était son truc, c'était la politique. En tout cas, pour la photo que j'ai vue de cette femme-là qu'on a ressortie, je la préférais largement parce qu'elle est plus posée. Elle est plus posée, en fait, je veux dire. Ah, mais j'ai toujours les femmes vulnérables. Et il a su que la fille était vulnérable. Donc, il les calcule, en fait. Il rentre dans la psychologie. Il peut prendre une femme qui a les yeux bien ouverts. Oui, pourquoi après tu restes dépendante affective en fait. Voilà. Regarde ce qu'elle est en train de faire à la fille jusqu'à monter les étagères dans la salle de bain. Il fait tout, il fait tout. Tu vois, la fille est en train de prendre, dit que hey, c'est un homme, mais il me fait ci, il me fait ça. Sans savoir que c'est un élément. Il est en train de rembourser le séjour. Après, il va dire nous sommes quittes. Tu me demandes quoi? Alors, c'est qu'elle est naïve. C'est qu'elle est naïve parce que c'est des trucs que les hommes font aux femmes tout le temps. D'ailleurs, un homme même capable ne va pas venir les monter. Il va acheter tout ce qu'il veut et puis voilà, les gens viennent y monter tout. Voilà ton cadeau, ma chérie. Tout simplement. Pas compliqué. C'est exceptionnel. Un mec, quand même, n'a jamais fait ça. C'est quand même, c'est un bon bricoleur. Il bricole tout. Il achète, et lui-même, il vient, il monte, il fait à son goût, quoi. Ouais, ça aussi, c'est sympa. Je ne dis pas non, je dis c'est sympa. Mais en temps normal, tu remercies juste, tu dis c'est gentil, mon chéri, merci. Mais c'est normal qu'un homme dans la vie d'une femme puisse quand même faire des trucs dans sa vie. C'est logique. Même si tu es indépendante ou pas, enfin, surtout, que tu sois indépendante ou pas, bah, un homme doit faire quand même tes cadeaux à sa personne. Donc, elle attendait que ta mère, depuis qu'elle a eu l'appartement, il y avait quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un d'autre a veuve dit que grâce à elle qu'elle a cet appartement. Oui, veuve l'avait dit. Veuve l'avait dit. Tu sais, que veuve l'a aidé, elle vient, elle s'assoit sur veuve. Vraiment. Pour ça que je n'arrête pas de vous dire que les enfants ne sont pas là. Ils sont toujours à la DAS. Peut-être qu'elle va vraiment les récupérer, mais avec les trucs qu'elle fait dans les réseaux sociaux. Voilà, maintenant, ils peuvent sortir, venir voir leur mère. Par exemple, quand on voit les dimanches, des trucs comme ça. Puisque quand elle va se voir la mère avec eux, c'est les bons de vacances CAF qu'elle utilise. C'est les vacances. Pour ça qu'elle dit, elle veut m'acheter à la Côte d'Azur. Bah oui, normal. Pourquoi tu ne pars pas et tu restes 2 semaines, tu restes que 4 jours? Parce que c'est ce qu'il t'offre. Ça, c'est quand elle prend ses enfants. Elle les prend. Moi, c'est ce que je crois, hein, mais bon, on me dit que non, sa femme soit avec. Je dis, ben, on verra bien. Et toutes les personnes, la grâce sont venues parler, parce que ce sont les gens qui sont de sa team, comme la loyale. La loyale, les gens qui veulent défendre là. C'est ça qui m'énerve dans cette La loyale n'est jamais loyale. Je connais ne savent jamais dire à quelqu'un, chérie, calme tes insultes. En ce moment, quand elle lynche des toiles, tout le monde refait les lives. Ils sont contents là-dessus. Et c'est mesquin. Tu sais que la loyale, parce qu'elles se sont embrouillées avec la tribienne, tu vois, non? Exactement. Donc maintenant, c'est là-bas pour encourager l'autre. Ouais. Ils aiment les aide-moi. Qu'est-ce qu'ils font? Loyale même avec ta voix comme la mienne là. Tout à l'heure, quand ils étaient au début, quand on était au début là avec la grâce, quand ça a commencé à chauffer là, c'est même elle qui en a, moi je descends d'ici. Elle aussi, elle dit, donc moi aussi je descends. Et ils étaient tous là parce que de l'autre côté, elle parle là-bas, elle change, elle commence à parler autrement. Moi avec les gens là, la loyale, c'est un mauvais gars. Ils sont les hypocrites, sont les fausses, très fausses. Une fausse personne. Et c'est elle-même,
La femme qui amène la loi, elle qui amène les problèmes à sa bique. Tout à fait. C'est elle. Tout à fait. Tu ne vas pas dire que tu aimes tellement ta soeur au point que toutes les personnes, tu dois clasher tout le monde parce que. Tu défends quoi? Moi, ma grande sœur, quand ma grande sœur fait un truc que moi, j'aime pas, moi, je lui parle. Hein. Oui, tu as trouvé là-bas, calme-toi aussi, c'est tout. Mm-hmm. Moi, si j'ai une personne comme la peste là qui râle pas, qui gueule partout avec ses 53, mm-hmm. je lui dis, écoute, ma chérie, calme-toi un peu. C'est pas bon. Arrête, ça ne t'apporte rien. Pourquoi vous ne pouvez pas dire ça à quelqu'un? Et pendant la tribienne même, hein, la tribienne, c'est un poids lourd, hein. La tribienne met la loyale et sa bigresse à terre, hein. Oui, parce que la tribienne est très méprisante. Elle est à terre, hein. Elle peut venir les deux, elle les mélange à deux, et tranquillement, elle parle, et se tend pas, et se tait. Nyangalement. Mais elle lui a dit dernièrement, là, elle lui a dit, tu me dépasses en quoi? Et l'autre dit, tu vois, ton problème, c'est que tu es en compétition. Moi, je suis en compétition avec moi-même. Je veux être meilleur que ce que je suis maintenant et mieux que ce que j'étais hier. Alors, je sais pas en quoi. Toi, tu dis, tu me dépasses, mais parce que tu te mets en compétition, je ne le suis pas. Et tu es tout le temps en compétition. C'est ça le problème. Elle va être en compétition avec la tribune. La tribune, elle est mariée, elle a son homme, elle a ses enfants. Ouais. Elle vit une vie de couple. Elle est indépendante totalement. Elle est indépendante, elle fait ses affaires et tout. Elle se déplace en voiture, elle n'a pas besoin qu'il y aura une voiture. Et elle n'est pas toujours collée, elle n'est pas toujours couchée sur son mari 24 heures sur 24. Alors qu'elle pouvait bien le faire, hein. Ouais. Mais c'est hallucinant, quoi. Et si j'avais suivi leur direct, là, maman. Et moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on m'a dit, non, la jeune fille. Est-ce qu'à 40 ans, on est une jeune fille, maintenant, on est une vieille fille. On est une vieille fille. On est une femme responsable. Tu peux pas, à un certain âge, tu es dans 2 mètres carrés, là. Tu es là, toujours dans le lit avec un homme, C'est quoi cette vie? Pour elle, Oshiga, elle veut les abonnés des étoiles, elle veut les vues des étoiles, elle est jalouse des étoiles. Oh ben elle est jalouse de tout le monde de toute façon. Elle ne supporte pas personne. Elle a voulu un peu créer un peu les liens et toi là, observer, elle a dit que celle-ci, c'est elle pas une bonne personne. Elle est trop vulgaire, d'une vulgarité, elle est trop vulgaire. Elle n'a aucune classe, rien. C'est la beauté ne suffit pas parfois. Hein. La beauté ne suffit pas. Elle est mal élevée. Très mal élevée, très mal. Quand elles sont là, petite fille, quelle petite fille? C'est le petit corps. C'est le petit corps. À un certain âge, on est. Même si tu peux vivre dans. Tu as une chambre salon. Il y a des gens qui vivent comme ça en France, hein. Parce que. D'autres, c'est les moyens, les logements et tout, c'est pas évident, on comprend. Mais tu aménages ton petit nid douillet, ta petite poupée Barbie, tu mets les enfants dans la chambre, tu leur fais des lits. Toi, tu dors au salon avec un beau canapé où tu peux te déplier et tout. Voilà. Donc, tu arranges bien ton petit monde. Quand t'as un copain qui vient, tu dis, écoute, oui, les enfants vont pas tarder, c'est mieux que tu pars. Et s'il veut même dormir, parce que ça peut arriver, c'est un loose. Dès que les enfants dorment déjà, et le matin, il est parti avant. C'est tout. Je leur donne un truc s'ils me racontent. Est-ce qu'on se voit comme ça là? On se voit le week-end si je n'ai pas la garde des enfants. Voilà, si tu te bats pour ça, c'est tellement là, important. Ouais. Tellement important. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Comme dit la Rose, hein, chacun sa vie. Elle se voit star dans sa tête. Elle sait déjà elle a accepté que même l'homme fait les directs. Elle est couchée sur le lit même. Mais donc alors les beaux draps. Parce que regarde tout, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, Rose, que l'œil là, tu guettes chaque détail. Non, regarde tout. Et quand on va parler, ils vont dire oui, elle a dit, tu laisses une chroniste. Elle ne me connaît même pas, elle met les tripes, elle met machin, parce que j'ai dit, donc elle est mal élevée, va venir là-bas sur ta page, pas ici. Tu ne montes pas. Ça l'a choqué. Et je ne regrette pas lui avoir dit ça. Disons, dégage. Petite peste. Vraiment, c'est une peste. Une peste. Je vois ma fille avoir un comportement comme ça, quel que soit l'endroit, je dis, c'est ce que je t'ai appris? Ah non?
Ah non, je permets pas. Comme ça. La star de l'Olympia. Rose a raté l'Olympia. Rose a raté l'Olympia. Les loges surtout, hein, dans la loge là-bas des stars, VIP. Les stars VIP avec les flûtes. Rose. Alors, non, un homme et une femme. Toutes les fêtes, ils ont même pas fait une petite sortie en amoureux que chérie. Dis, on va dans un bistrot. Même pas sortie, ils faisaient même peut-être. Oui. Un petit dîner. Un petit dîner. Place. Le goûter de champagne, là, tranquille. Lui, il boit pas. Toi, tu bois un peu. Romantique, les lumières tamisées, il n'y a pas les enfants. On se met notre musique. Et puis, on peut même filmer en direct, il n'y a pas de souci. On peut même le petit plat, là, un peu de oui. Tout. Oui. Vraiment, c'est même romantique, c'est mignon. Non, vous êtes là. Moi, je vous dépasse. Non, arrêtez. Dis-moi si elle sait même faire à manger. Elle veut savoir si elle sait faire à manger. Hein. Parce qu'une bonne femme qui sait faire à manger aimerait faire à manger et donner à son homme. Que l'homme apprécie. Bah oui, ça fait plaisir. Et quand le mec même veut te faire à manger, c'est parce que là, il veut te séduire même à nouveau. Il dit, bon, ma chérie, surprise. C'est moi qui fais comme ça. Ah, c'est moi qui fais ceci. C'est tout. Elle a, comme si d'autres n'ont jamais vécu. Elle a déjà tout vécu. Tu as vécu quoi? Si elle savait même que moi-même qui suis comme ça. Ici, chez moi, les samedis, c'est mon homme qui cuisine. La nuit, du peluche. Ah, ben oui, c'est ça. La rose, elle vient de se réveiller. La rose vient de se réveiller et dit, ah ben oui, c'est ça. Hein. La rose, dans ta surprise, tu n'étais pas. Manie, moi, j'avais compris que les gens de Facebook sont que quand on te voit, tu viens, tu commandes, ils commencent à dire, ah, tu n'as pas d'homme. Oui, toi, tu sais que ton homme. Ouais. Moi, j'avais compris ça depuis longtemps. Je ne le suis pas. D'autres ont commencé à dire, oh, le Congolais, ah, les crises depuis, oh, j'ai dit que j'accepte, vous ne le verrez jamais de la vie. Partez là-bas. Mais parce que tu n'as rien à prouver à personne, tu n'es pas là pour ça. Partez loin là-bas. La vie, elle est à part. Et le réseau est à part. Et rien à part, tu ne l'as pas. Jamais vu, hein. Il n'y a que moi et mes enfants que je mets souvent, mais pas lui. Normal. Jamais. Normal. Jamais de la vie, ils ne le verront pas. Faut même pas mélanger ces choses-là. Moi, je viens prouver quoi à qui? À qui voilà. Quoi? Surtout, tu prouves quoi à qui? Dans quel monde? Ce monde-là, mon Dieu. Ben, si on veut prouver moi, ces gens-là, même ils vont rester bouche. C'est pour ça que je leur ai dit que c'est eux qui ont mis leur caméra. Nous, on est obligé de regarder les détails parce que je parle ça n'a rien. Ben oui. Tu veux pas qu'on voit, qu'on connaisse ta vie, ben tu te mets pas que voilà. Me voici. Mais le jour où tu te le mets, sache qu'on a envie de regarder en fond. Et tu montres. Et quand tu montres, on regarde. Et je n'ai jamais vu même manger même un plat consistant. Hein. Moi, le gars est toujours debout. Le jour où il mange. Elle est spaghetti de 30 centimes. Oui, voilà, tu as tout compris. Que lui-même, il a tourné avec l'huile, l'oignon, le sel. Vite fait, bien fait. Avec la sardine même. Regarde-moi ça. Et vous finissez, vous voulez que nous, on regarde. On va regarder. Et tu vas dire centimètres. Tout le monde veut mon nom. Va acheter les draps blancs. Est-ce qu'on met même encore les draps fleuris dans les lits? Va acheter les draps tout blancs, maman. Ah là là là. Ils veulent montrer leur vie. Montrez-nous autre chose. Arrêtez de nous montrer. Il fallait donc d'abord aménager. Quand vous voulez montrer les choses, aménagez donc bien. Que quand tu vois, tu dis, ouais, j'aime comment elle a fait le rangement là. Ça me... Parce qu'il y a aussi, on regarde, non, on triche aussi, non. Il y a les choses que tu regardes qui peuvent te plaire, comment quelqu'un a disposé les choses, non. Je ne mens pas, je peux rien, de tes blogueurs, je peux rien. Quand tu regardes les blogueurs sur debout là, il n'y a rien à tricher là-dedans. Il n'y a rien à tricher. Il n'y a rien. Les maisons sont touffues, remplies. Il n'y a rien à tricher là-dedans. Il n'y a pas de choses simples. Tout est touffu, touffu, touffu. Ouais.
La maison non, ça veut dire, quand tu vois Tofu, ça veut dire que j'ai beaucoup de choses, je suis riche. Yeah, c'est pas comme ça. Les blancs, même, les vrais blancs, leur maison, c'est simple. Très simple. La maison respire. C'est simple, et sauf que quand tu regardes le truc, tu sens que ça, ça a coûté de l'argent. Tu vois quelque chose, tu sens que ça, c'est, ça a de la valeur. Ouais. Et il faut qu'on voit beaucoup, et après, non, mais elle, c'est la dernière des dernières. Elle est boum qui est dans, c'est les deux, là. Mmh. Boumkena, elle alors, elle a trouvé son plan là-bas dans la cuisine commune. La cuisine, les anciennes cuisines là. Les cuisines communes du foyer où elle est. Les cuisines de l'époque de. Elle a toujours son truc là, elle se met là-dedans. De l'époque de Mitterrand. Bon, moi, à la limite, même là, tu sais, Marie, moi je me dis, chacun mène sa vie comme il veut, tu vois. Mais c'est eux, c'est elles qui veulent montrer. À ceux qui regardent que non, elles sont bien. Tu vois et alors, le problème? Voilà. Elles veulent pas montrer que non, mais voilà, bah, tranquillement, tranquille. Non, elles veulent montrer que, oh, moi, je suis comme dans ce cas, montrer nous aussi ce qui va avec. Montrez-nous ce qui va avec. C'est tout. Mmh. Ça fait, c'est surtout moi, ces insultes-là qui me font chier. Non, vous connaissez. Donc, ça ne vaut même pas la peine, celle-là. J'aime pas qu'on insulte les ennemis, en fait. J'ai horreur de ça. Elle a problème avec mon sang. Je me suis demandé, elle a quel problème avec mon sang? Insulter le monsieur, insulter. Du jour au lendemain, elle est partie passer chez mes sangs pour raconter sa vie d'humilité d'Italie. C'est pour ça que quand on regarde, même au final, tu vois que mais ça n'est pas un homme qui est mauvais, au fond. Mm-mm. Il n'a pas un fond mauvais. Malgré tout ça, même si ce n'est pas mauvais, il y a certaines choses. Tu sais qu'on a quand même l'estime de soi. Il y a des choses que tu restes seul. Et ça te résonne encore dans les oreilles, tu vois, non? Ouais. Il y a certaines choses qu'on peut pardonner, qu'on peut dire ah, la personne a bu, il m'a parlé parce qu'il était alcoolisé. Pas que tu passes ta soirée à la plage, tu insultes un père de famille, alors qu'il ne t'a rien fait, tu ne le connais ni d'elle ni d'Adam. Un père de famille, aïe. Mmh. 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 Et là, c'est le lot d'hymne national chez elle. En tout cas. Bon, moi, je vais aller me coucher quand même parce qu'il est 2 heures. La roule. Oui. Bonne nuit, hein. Bonne nuit, la rose. Oui, moi, je vais aller. Les filles, bonne nuit, Marie-Lou. Bisous, bonne bisous, nuit, Marie-Lou. La grâce. Bisous, la rose. Oui, oui, très belle soirée, la rose. Repose-toi aussi, hein. Oui, oui. Allez, bonne nuit, les filles. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, moi, Jean. Mais. Marie-Lou est partie. Moi, Jean.